C'est très bizarre. Non mais ils tapent sur du bois. Ils tapent sur du bois. Bah oui, pour créer une maison ou pour manger. Pour manger, bah oui, c'est normal. Ouais. Mais ils font pas. C'est un pivert un peu limité. Un peu toc toc. Un peu toc toc. Jeu de mots. Toc 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 toc. Toc. Idiot. Idiot. Reprenons depuis le début. Dans cet épisode, on va parler d'oiseaux. Et d'une idée reçue que j'avais croisée dans une vidéo de Cyprien, le 12 Info à l'époque, où on voyait un pic. Ah oui, première idée reçue, on n'appelle pas ça un pivert. Le mot pivert faisant référence à une espèce de pic bien précise, le pic vert, il était facile celle-là, alors qu'il y a des centaines d'espèces de pics. Et donc dans cette vidéo de Cyprien, on voyait un pic effectuer son classique toc 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 toc, non pas sur un arbre, mais sur un poteau en métal. Aux États-Unis, on a trouvé un pivert stupide. Mais alors stupide, ça fait 6 mois qu'il est là, il y croit encore. Et chacun se foutait allègrement de sa gueule, Cyprien le premier, oh qu'il est con ce pic, il est stupide, oh il est totalement stupide dans les commentaires, oh là là, il est bête ce pic, il est con ce pic. Or non, ce pic n'est pas stupide. Et dans un élan héroïque, je me suis fendu d'un commentaire expliquant que contrairement à l'idée reçue, quand un pic fait toc toc toc, il ne cherche pas de la nourriture, non ? Quand un pic fait toc toc toc, il cherche juste à faire toc toc toc. Voilà. Et oui, le pic tape pour faire résonner le bois. Il cherche à faire du bruit pour marquer son territoire, pour communiquer avec ses copains. Exactement la fonction du chant chez les autres oiseaux. Sauf que les pics, au lieu de siffloter mélodieusement, eh bien, ils tapent fort sur du bois. Hé, poupée, une petite sérénade ? C'est pour toi, chérie. Et le métal du pylône résonnant bien mieux que le bois, le pic de cette vidéo est en fait super futé, avais-je mis en commentaire, réparant l'honneur de l'oiseau moqué. Justice était faite. Non, il tambourine pour que les vibrations fassent sortir les insectes et les mange par la suite. Et quoi il se mêle, lui ? L'idée reçue n'est pas morte. Je n'ai pas tapé assez fort. Il faut plus d'arguments pour la décoller des esprits. On va rajouter du détergent. Non, j'insiste, il tape pour faire résonner le bois. On appelle ça le tambourinage et ça remplace le chant. Je te conseille de taper le tambourinage des pics sur Google au lieu de me contredire gratuitement. Boum ! Voilà, ferme bien sa gueule. Ah, ça y est. L'idée reçue était enfin. Oiseau grimpeur se nourrissant de larves qu'il va chercher dans l'écorce en la frappant par des coups de bec répétés et creusant son nid dans un tronc d'arbre. Je pourrais polémiquer plus longtemps avec toi, mais les gens cons qui je ne cherche pas avant de répondre, ça m'énerve. Mes amis, nous sommes face à un soldat de l'idée reçue. Un serviteur du mythe urbain, un des responsables de la prolifération des mauvaises informations dans le monde. Car manifestement, c'est juste un petit emmerdeur hein, qui n'y connaît sûrement rien aux oiseaux, mais qui croit si fort à son idée reçue qu'il est prêt à se battre pour elle, comblant son manque de vraies connaissances par une pauvre recherche Google faite 2 secondes avant de poster son commentaire, tellement convaincu que ce qu'il croit est vrai qu'il ne m'accorde même pas le bénéfice du doute, et n'importe qui lisant son extrait devait croire qu'il avait raison, car oui, il se trouve que cet article Wikipédia disait la vérité. Évidemment que les pics cherchent des insectes sous les écorces, seulement c'est plus compliqué que ça. Tu confonds le tambourinage et le martèlement. Quand un pic cherche de la nourriture, il travaille le bois de manière irrégulière et quasi silencieuse. Ça s'appelle le martèlement et c'est nettement moins puissant que le tambourinage. Ça fait tic, tuc, tic, tic, tuc, tic, 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 tic. Le tambourinage, c'est quand le pic cherche à faire résonner le bois pour marquer son territoire. C'est intentionnellement bruyant et régulier. Ça fait... Est-ce que tu vois la différence ? Et là, sur cette vidéo, le pic qui cherche pas des larves dans le métal, il tambourine, pigé ! Et on observe régulièrement les pics faire ça sur du métal parce que ça résonne bien, parce qu'ils sont malins ! Alors arrête de te moquer de moi !
idée reçue, merde! Il n'a pas répondu. Il répond plus. C'est fini. J'ai gagné. Mais comme je l'ai dit, les pics font ça assez fréquemment et il existe d'autres vidéos de pics tambourinant sur du métal avec des dizaines de commentaires les traitant de débiles. Il reste encore à faire. Ah bon? Alors le pivert, il était pas débile. Il a dit pic. Je précise que moi aussi, j'aborde parfois des sujets que je connais mal dans mes vidéos. Et même si je recherche un petit peu plus loin que Wikipédia, je véhicule sûrement de temps en temps des âneries ou des idées reçues en croyant avoir les bonnes infos. Et peut-être que je mérite moi aussi un idée reçue méa dans la gueule. C'est le message de la chaîne, prenez du recul sur tout ce qu'on vous dit, même moi. Car la plupart des gens disent n'importe quoi, toute la journée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Alors ici, je suis en direct du Quai du Rire à Marseille, où il y a une chouette ambiance. Ouais. Ah. Parce que les abonnés qui sont pas venus, ils m'entendent pas. Il faut savoir que pour ceux qui n'ont pas eu de place pour l'encyclospectacle à Paris, sachez qu'on vient de rajouter des dates au Nez Rouge. Donc voilà, il y a plein de nouvelles dates. Je vous mets les liens dans la description. Et je voulais aussi vous dire que là, je travaille sur un nouveau programme qui arrive sur cette chaîne, en plus des idées reçues. Donc voilà, le premier épisode de ce nouveau programme arrive bientôt. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Merci. Bon ben, allez, cuit cuit. Oh, on s'était même pas concerté avant. C'est vrai ou pas? Ouais, je regarde d'autres vidéos, c'est trop bien. Et là regarde, il a trouvé un truc en vert, ça résonne encore mieux. Et là regarde le mec de la vidéo. Ah. Oh, mais pourquoi t'as fait ça? Ça va pas ou quoi? Mais Cyril, je marque mon territoire.